C'est pas la première fois que vous et moi nous parlons de ce qu'on fait sur un plateau de télévision. Doit-on négocier avec les terroristes? Non. Et pourquoi? Aucune négociation. Le Cameroun est un pays très complexe. Négocier avec des gens qui prennent les armes et qui suscitent un début de guerre, et un début de guerre qui est régulé par le gouvernement pour des soucis d'intérêt général, c'est donner un très mauvais exemple. Parce que tout le monde peut le faire dans ce pays. Premier, professeur. Tout le monde peut le faire dans ce pays. C'est très beau. Et nous sommes très hypocrites. Ceux qui soutiennent cette histoire, quand d'autres extrémismes identitaires vont prendre les armes, ils ne vont pas rigoler du tout. Parce qu'il y a des tensions communautaires très fortes, parce que le pays est très hétérogène. Le Cameroun, c'est 4 ou 5 pays dans un seul. Et c'est très difficile à gérer. Si vous faites de la complaisance, vous allez donner comme message que la voie pour que les gens règlent leur frustration, c'est le chantage par la violence armée. Et là, on ne va pas en sortir. Ça, c'est la première chose. Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu la part du professeur Nyamding que 1984, c'était une erreur. Il y a erreur de quoi? En 1980, c'est un simple changement de dénomination. Pas décret. Il n'y a aucun changement de forme de l'État. En 72, le Cameroun est un État unitaire. En 84, il reste un État unitaire. On n'a pas changé la forme de l'État. On a changé le nom de l'État. On parle de la République unie pour la République. Oui, ce n'est pas un changement de dénomination, ce n'est pas un changement de forme de l'État. Le changement de forme de l'État qui intervient, c'est en 96. Si la décentralisation existait, elle existait en tant que mécanisme essentiellement administratif. Et en 96, on la fonde du point de vue constitutionnel avec plus de force. Parce qu'on ne l'énonce pas simplement dans le préambule, on traduit ça dans des dispositions constitutionnelles qui portent donc sur les collectivités territoriales décentralisées. Je dis que le Cameroun est un pays très complexe. Vous avez parlé tout à l'heure du fédéralisme. Oui. Mais monsieur est ici. Vous êtes vraiment sûr que dans le Cameroun d'aujourd'hui, si le Cameroun même doit évoluer vers une organisation fédérale, vous pensez que le seul aménagement, c'est le fédéralisme territorial biculturel, c'est-à-dire le modèle de 61? Que non! Ce n'est même pas aujourd'hui, dans le mouvement fédéraliste camerounais, la forme dominante. Et ce problème, puisque ceux qui n'étaient pas au grand dialogue disent qu'on n'a rien discuté de là-bas, mais ce problème a été discuté. Quand le chairman, père son âme, a pris la parole pour dénoncer la politique gouvernante et demander donc le retour au fédéralisme de 61. Vous savez qui lui a répondu? Non. Ce sont les représentants du Sud-Ouest qui lui ont répondu spontanément, avec une violence très forte, dit qu'on n'en veut pas. Les représentants du Sud-Ouest, je dis du Sud-Ouest, qu'ils sont faits du pouvoir ou pas. Ils ont dit qu'on n'en veut pas. Oui, vous savez ce que Tibouquette. Vous savez ce que Tibouquette a demandé au Premier ministre? Oui. Non. Donc il faut faire très attention. Le pays n'est pas dans le simplisme que vous dites. Je répète que la République du Cameroun n'a aucun intérêt à discuter avec quelques mouvements armés. Ce n'est pas parce que c'est au nord-ouest, c'est au sud-ouest. Ça serait au centre, au sud, au nord, à l'extrême nord, à la Damawa, que ce serait la même chose. Merci. Le Cameroun n'est pas différent des autres pays.
Et le Cameroun a déjà discuté avec ce qu'on peut appeler des terroristes. C'était où? Au Cameroun. Oui, c'est là où je dis qu'il fallait me laisser qu'il me parle la parole. Au Cameroun. C'est ce que je voulais. Et le Cameroun va même terroriste. Le Cameroun va même discuter avec les terroristes. Quel terroriste? Quel terroriste? Même en 91, le Cameroun a discuté avec les terroristes. La tripartite, c'est une discussion avec les terroristes. Avec quel terroriste? Mais c'est que c'est, nous mettons vous faites de l'amalgame, monsieur. Non, nous mettons. Est-ce que ceux qui contestaient en 91 ont contesté le principe de la souveraineté camerounaise? Non, ils n'ont pas contesté le principe de la souveraineté camerounaise. Ils ont contesté l'État. Et ils ont même ils n'ont pas, non, vous faites des jeux de mots. Ils ont contesté. Ils n'ont pas contesté le principe de la souveraineté camerounaise en disant nous devons former notre État. Ils ont contesté la gestion de la souveraineté camerounaise. C'est compris, professeur. Et passe la parole à l'autre professeur, professeur Messanga Yamding. La même question, doit-on négocier avec les terroristes? Oui. Et pourquoi? Parce que le président Paul Biya, mon maître politique, l'a déjà fait. Ah bon? Quand? L'affaire Vandenberg. Quand on a vu le secrétaire général de la présidence de la République actuelle aller donner de l'argent. Les terroristes là ont posé un problème par rapport à la souveraineté du Monsieur le recteur, soyez calme. Vous faites des amalgames. Oui, mais. Est-ce que ces terroristes ont mis en question la souveraineté du Cameroun? Ça, c'est votre problème. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Pourquoi il est mal à l'aise? Ce ne sont pas des problèmes du même type. Il ne faut pas créer de la confusion. On sent que vous n'êtes pas sûr de ce c'est ça. Mais pourquoi vous me coupez alors? Mais parce que vous faites de la démagogie. Mais parce que vous me coupez et vous me faites bon, parler donc. Est-ce qu'il y a plus de démagogie? Parlez donc. Il y a plus de démagogie que l'on a au Cameroun. Quelqu'un qui passe dans l'opposition au soutien du régime. Vous, monsieur Messanga Yamding, sortez de votre hypocrisie. Laquelle? Votre hypocrisie, elle est celle-ci. Oui. Vous êtes une femme éconduite. C'est-à-dire, je cessez d'évoquer le biaïsme. Vous êtes éconduite. Vous avez souhaité. Assumez que votre mari vous ait répudié. Mais j'ai déjà. Assumez-le. Moi, ne faites pas croire. Ne me regarde pas. Parce que vous l'avez amené à une personne. Ce sont les mêmes problèmes. Est-ce que ce sont les problèmes? Assumez vos. Qu'est-ce que qu'on doit tuer? Est-ce que vous en savez? Assumez la kleptocratie. Assumez vos. Vous terminez, monsieur Yamding. Oui. Assumez votre position. C'est un problème. On me dit mon ancien parti. Vous avez été un opposant. Vous étiez contre la révolution. Je me mettais un terroriste. Bon, arrêtez de faire. C'est que je vous dis. C'est lui que je vous dis. C'est lui qui provoque. C'est lui je vous dis. Vous les nouveaux. Monsieur, vous les nouveaux. Votre perspective 2025. Oui. C'est votre positionnement pour l'élection présidentielle de 2025. C'est normal. Assumez-le. J'assume. Assumez. Moi, j'ai toujours assumé. Contrairement à vous qui niez ce que vous étiez. Vous avez mortellement. Moi, je vous admire. Hein. Vous faites de l'amalgame. Je ne fais pas l'amalgame. Ça vous apprendra à me couper. Vous n'êtes pas un biaïste. C'est mon problème. Vous n'en êtes pas. Ce n'est pas grave. S'il vous plaît. Je n'en suis pas un. Mais vous m'avez pas demandé. Je n'ai pas commencé à marquer des buts. Vous avez combattu le régime. Et alors, et vous êtes gelé parce que je suis resté constant, au moins moi. Mais là, c'est vous qui n'êtes que c'est un biaïsme. Vous avez un biaïsme. Quand vous dites que vous savez, c'est une affaire que j'ai inventée. Donc, j'ai inventé le biaïsme. S'il vous plaît. Je crée le biaïsme. Je véhicule le biaïsme. Je combats des opposants comme vous. En combattant. Aujourd'hui, vous êtes récompensé et maintenant vous voulez être. Ah, voilà le problème. La récompense. Mais bien sûr, on doit nous récompenser. Débat. Si on avait fait. On avait chassé bien. Non, vous ne faites pas ça. Parfait. Parce que là, vous empêchez aux téléspectateurs de voir nos vrais visages. Quel vrai visage? Non, pas du tout. Je ne suis pas là. Seuls les téléspectateurs peuvent voir vos vrais visages. Nous prenons une transition.